Voilà, on va produire ici. Il y a quand même pas mal de ressources qui... Par ici. C'est une blague, j'ai pas amélioré ici. What? Non. Ah, ça c'est un scandale, ça. Alors, je vous propose c'est que on... Pardon, je me gratte la gorge. La taverne, voilà. On recrute des piquets et on commence à foncer dans l'art. Puis je le garderai pour mes ecclésiastiques, mais je ferai peut-être déjà un tour ici. Et attendez, je regarde, je vérifie. Est-ce qu'il n'y a pas de fort dans le coin? Non. Donc ok, il y a un château mais il doit avoir certainement protection canon quelque chose dans le genre. Il n'y a pas l'air, ce qui m'inquiète. Bon, alors ce que je vais pouvoir faire du coup, là. Le vert en a 3, le jaune en a 0, donc il faudrait que je commence à... Ah, je peux pas. Bon, on va attendre. J'irai lui chercher son truc. Attendez, est-ce qu'il y a des canons? Parce que je regarde pas. Hein. Ça, c'est... Ah, il y a des tours. Voilà, c'est là mon problème. C'est pas grave. Il y a plusieurs camps comme ça. Ah ouais, où est-ce qu'il y a de la place? Et ça, c'est bon à savoir. Du coup, j'irai chercher celui-ci pour pouvoir avoir accès après. Upgrader. Ok, je vois que ça le demande, donc ça va le faire. Alors ici, toi, ça produit du tissu déjà. Voilà, ok. 4 bergers, 4 tisserands et un tailleur. Ok. On verra, on regardera plus tard au niveau des ressources s'il faut améliorer l'utilisation de la laine et compagnie. Je pense, hein. Je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Alors on en a 7. Let's rock. Voilà, ici, boum. Voilà. Côté là, ce camp n'a pas de soldats. Et bon. Faire quand même ça. Voir étranger. Il y a des camps comme ça où il n'y a plus de soldats, je sais pas pourquoi. Je trouve ça très bizarre. Voilà, bon, on le capturera. On passera ici peut-être, voilà. Des prêtres. Qu'est-ce qu'on... 128 sur 131 quand même, hein. Vous avez vu que ça va très vite une fois qu'on décide... je suis pas jaune, je suis rouge. Voilà. Une fois qu'on décide de produire des unités... Voilà, un prêtre encore et toujours. L'église, elle est où? Oh punaise. Mon Dieu, aidez-moi quoi. 5, 7, ok. Non, mais c'est pas ça que je regarde. Alors j'en ai 6, il m'en faut 8. Donc ça va être une belle terre de culture. Orcherie, ok. Là, on a quoi faire? Voilà, merci. Donc j'avais dit qu'on allait attaquer ici parce qu'il n'y a pas de soldats. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, c'est neutre aussi, donc on attaquera. Voilà. Comme ça, on aura déjà fait ces quatre coins-ci. Et on se mettra peut-être... Bah non, en fait. J'allais dire tout près. On se mettra ici parce que c'est certainement ça ici que ça... Ça attaquera. Alors ici, il y a des canons. Ouais. Je l'avais dit tantôt, mais je voulais être sûr de le faire. Alors, toi,
Voilà, faire ça, faire un coin, comment dire, un coin où il va falloir face de la farine. Voilà, si récompense de conquête, ouais, non, hop, on va faire des planches parce que. Sont un peu la ramasse au niveau des planches, je vois. Hop, voilà. Ok. Là, ici. Où est-ce qu'on en est? Il y a trois gars, donc bah écoutez, on va attaquer directement. On va être tranquille avec ça. Il y a du fer, il y a du poisson, ça c'est important. On va faire ça. Tac. Alors, un bûcheron. Siri, et bien joué le chasseur qui est complètement à l'opposé. Non, c'est pas le chasseur. Hop, on va l'annuler. C'est pas le chasseur, c'est le poissonneux. Le péqueux. Alors, ici. Tac. Voilà. Alors, on va faire aussi peut-être une. Bonne action dans le coin. Et mettre boulangerie, boulangerie. Boulangerie, boulangerie. Boulangerie. Pas compliqué. Alors, on va mettre les entrepôts parce que ici, quand j'ai placé ma boulangerie, je me suis rendu compte. Évidemment, bien joué, j'avais pas laissé la place. Bon. Magnificent. Ouais. Ok. Quête. On va mettre des planches. Ouais, c'est très important pour le moment. Voilà. Bâtiment construit. Guilde des commerçants, elle est faite. On va pouvoir les voir. Donc ça, c'est notre base principale. Ici quelque part, je crois. Là, voilà, la guilde des commerçants est ici. On va l'upgrader. Ce que je peux faire aussi, c'est placer directement une caserne. Alors j'espère que j'ai l'espace pour la mettre. Bon. Oui. Oui. Allez hop. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Ici. Alors au niveau. Ouais. Au niveau production grenier, on a un truc, c'est monstrueux. On a des bières, mais alors on sait plus quoi en faire de notre vie. Des prêtres. Voilà, c'est ça, les prêtres. 15, ok. Donc maintenant, on peut prendre la zone qui est ici. Pardon, excusez-moi. Hop, on clique. Et prosélytisme. Prosélytisme. Ok, on va prendre la zone. Ce qui va nous permettre d'avoir encore des espaces plus conséquents. Et alors, je pense que j'essaierai quand même de faire attention. Pas le mot, mais. Ouais. Bon, alors. Au niveau nourriture. Bon. On a quand même 3 porcheries désormais. Une boucherie qui elle va certainement travailler comme un arrache-pied, un furieux. Alors, ok, ça c'est fait, ça c'est fait. On va faire le tour de nos bâtiments. Bon, ok. Quoi ça ? D'accord. Ok. On va recruter des gars. Ici, au moins un ou deux colporteurs. Bon, allez. Par contre, maintenant il va nous falloir pas mal de place. Vous voyez. Ok. Ce qui est
Voilà, si peut-être. Là. Simplement pour placer les maisons en fait. Rien de plus. C'est dégueulasse. Ces petits... ces bonnes gens qui veulent absolument... Voilà, ok. Ouais, il me manque une victoire. Un point de victoire, c'est OP. Voilà, prestige. Qu'est-ce que je peux mettre au prestige, sérieusement? Pour la caserne, si ça peut l'amuser. Voilà. Ah, je les explose, là. Voilà, donc ça, c'est un... un coin qui est à moi. À moi. Rien qu'à moi. Et j'avais dit que j'allais améliorer. Ma production pain. Là on va mettre des... voilà, bim, salut. Voilà. Ah, ça c'est à moi, c'est juste. C'est à moi. C'est à moi. Et là, j'espère que je vais pouvoir mettre quelque chose, parce qu'avec toutes leurs conneries, là, hein, c'est bien, ils mettent des enclos, des machins, des... mais j'ai pas le temps pour ça, moi. Alors, hop, on va voir ça, j'espère. Wow, tout juste. Hop. Là, on va faire ça. Production de chevaux, est-ce qu'il y a? Écurie, céréales, eau, ok. Alors j'ai 4 graines de céréales en surprod. L'avantage c'est qu'on va pouvoir les upgrader assez facilement. Parce que ça va aller vite. Hein. On va l'upgrader où il y a peut-être déjà à fond. C'est à moi. Mais non, c'est pas à moi. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, ici, entrepôt. Ça passe. On a de quoi? Entrepôt. On va faire le tour des entrepôts et voir si on peut pas les upgrader. Là, j'ai quand même 3 entrepôts l'un côté de l'autre. J'ai un peu chié dans la colle. Hein. Alors, un entrepôt ici peut-être. Ouais, ok, super, merci. Là, voilà. Bon, pas énormément. Hein. Alors, là, attention, cette terre brumeuse est en... ok, salut. 36, waouh. Bon, t'as intérêt de revoir ta production, hein, mon gars. Alors, Siri, ok. Alors, j'avais... commencer à construire des maisons. J'ai aucune idée où je l'ai mis. Ah, ici. Après. Oh, l'autre nous a mis un grenier. Fermer un grenier, c'est tout. Fermer. C'est son trépas. Voilà, upgrader. Upgrader la demeure.
Alors, on a 170 personnes, ça fait un peu beaucoup. Il nous manque des gens. Alors, on va faire ça. Pas très académique. Ça marche. Voilà, bon. Your building has been upgraded. Là. Est-ce qu'il y a une route d'ailleurs? Parce que je fais le malin, mais imaginez, il n'y a pas de route. You successfully upgraded a building. Voilà, bon. Pas grave ça. Voilà, bon. Avantage. La cochonou, voilà. Par ici, pareil. Mais on va mettre. Héberger. Voilà, on va augmenter la route, enfin la qualité de la route. Ferme. Entrepôt est là. Bon, on peut l'améliorer déjà. Ça, en mettre un là. Alors, régulièrement, dès que je passerai sur un sur une chose à améliorer, je le ferai. Alors, ouais, ok, des demeures et le château. C'est le château qui va poser problème peut-être. Enfin, il y a même des chances que ça soit ça. Alors, la guilde. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas entendu gling 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 partout. Alors que... Bon, vous voyez que j'ai les ressources. Hein. Alors, attendez, parce que... les ressources, mais j'ai pas l'emplacement. Ah, l'église. Où es-tu? Là. D'accord. Donc, j'ai 11 gars. Donc, ça veut dire que techniquement... On peut aller chercher ce point-là. Voilà. Envoyé. Voilà. On va pas se faire prier. On va aller chercher ces points-là aussi. Bon. 4. Le vert a 4 unités. Donc il commence, lui... C'est un grand mot, être dangereux. Là. On va regarder au niveau de nos ressources, nous. Ah, ok. Lol. Eh ? Bon, il y a déjà tout utilisé. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris là alors. Bon, géologue. Tant pis. On verra. J'espère ne pas avoir, comment dire, épuisé le filon. Ce que j'espère, évidemment. Alors, toujours. Alors, on va pas le mettre en géologue, lui. Ouais, ça va en fait. Par contre, il nous faudrait de la houille. Alors, la houille, où se trouve-t-elle? Si. Bien ça? Non, je me trompe pas. Ouais, il nous faudrait de la houille, je veux dire de... Ça va être chaud, hein. Hop, je peux plus placer de bâtiment dans le coin. Et mon truc de houille, ici. Monnayage, boucherie. Attendez. Est-ce que j'ai. Ouais. C'est, ça n'est que du bois en fait. Hein, donc. Ouais, j'ai 126, donc ça c'est assez. Un endroit où ça produit. Voilà, bon. Ça c'est bien aussi. Upgrader si la route pour qu'il puisse circuler. Ouais. Colporteur, ok. Voilà, ok, c'est bon. Ah bah, ok, d'accord. Bon bah, chrono avant victoire. D'accord. Bon. J'aurais même pas le temps de. Vous avez vu? Voilà, bon, on va chercher un autre camp. J'aurai même pas le temps, je pense. Bon, personne n'est venu m'embêter en fait. Hein.
vraiment été tranquille durant toute cette campagne et cette campagne, cette mission en tout cas ici. Donc le fameux Lord Wolverine n'était pas si imposant que ça et si méchant que ça. Ah là, j'ai cartonné, hein. J'aurais laissé aucune chance. Voilà, là aussi il y avait de la houille en fait, hein. Mais bon, derrière ça. Voilà, on va prendre des petits juste pour ça, se la péter. Gérer le bazar, mais d'une main de maître. Ah, on peut plus améliorer ça, on peut plus améliorer ça. C'était où l'autre? Si, alors, ah si, c'est bon. Ah, c'est bon ça. Hop, lui on va le remettre en or. En fait, j'avais complètement surexploité le filon. Bon, derrière ça, ici j'ai un forestier, un bûcheron et un bûcheron. Ça c'est nickel pour le bois. Combien de scieries d'ailleurs? J'ai 3 scieries pour 132 rondins de bois. Pour 13 bûcherons en fait. Ouais, ok. Ok. Bon, bah 10 secondes, voilà. C'est ici que je vous laisse. Donc pour cette mission, on se retrouve directement dans la prochaine. Pour la prochaine mission. C'était Naiden pour un clic en trop. Victoire, vous avez réussi. Mais je le savais déjà. Passer. Non, je vais pas passer, désolé. On va voir un petit peu ce qui se passe. Salle du trône de Zoé. On va voir un peu l'intrigue avec le père de Zoé, le roi. Parce qu'il va certainement se passer quelque chose. Now but one battle remains. I fear the bishop and the lord will not give up as easily again. Do not let them concern you. They fear us more than we fear them. I do hope this conquest ends soon. I am becoming weary from battle. Not to worry, my princess. This will be over sooner than you think. You were successful. Ok, voilà, c'est fini. Bon, on a quand même 1h50 de jeu. Bon, je m'en suis pas rendu compte. Ça a été tellement vite et ça a été... Allez, assez facile, on va pas se mentir, donc voilà, c'est ça, je comprends pas. Alors, mes fonds, j'ai 1644 pièces. Je regarderai à quoi ça sert les pièces, parce que je vous avoue. Alors, on peut voir qu'au niveau victoire, j'ai été toujours au-dessus. Militaire, j'ai toujours été au-dessus. Technologie, j'ai toujours été en dessous. Et alors, au commerce, j'avais commencé à faire du commerce et du marchandage, donc voilà. C'est ici que cette mission se clôture. Je vous laisse pour la prochaine. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci à tous. Bye bye.